sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant? Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint zich kampioen baant? Ver genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat. Bravo, c'est un champion, félicitations, il est parti ce matin, il était 7h15, il en termine, bravo, félicitations. Moi je suis sur 15. Les félicitations du directeur de course, Jean-Louis Bourbeau, bien entendu, bravo. On a mis en valeur le premier Burry, donc qui est monté sur le podium tout à l'heure. Ce compétiteur heureux d'en terminer. Il salue Jacques Baisse. Jacques Baisse, c'est lui qui était le serfil qui suivait, bien entendu, donc ce compétiteur. Donc très fair play, ce coureur vient saluer notre ami Jacques Baisse. Un an des plombs. La belle carrière. Redde hij met ons mee of gewoon op en neer? Voilà, c'est Luc de Meyer donc qui en termine avec tous ses potes autour de lui. Luc, tu es le dernier. On a mis en valeur Marc Burry tout à l'heure. Donc comment ça s'est passé pour toi? Très dur. Ah bon? Oui. Donc ce tour de descente de la Sarenne, j'ai trouvé le plus dur en plein pli. Et puis la dernière montée ici, c'est mortel. Ça va pas pour quelqu'un qui n'est pas sportif comme moi. Et si tu es champion, tu termines, bien entendu, une fois, donc c'est beau jeudi. Est-ce que tu as déjà participé à d'autres épreuves du Grand Trophée? Oui, il y a 4 ans au Marmotte, et j'avais fait le double de kilomètres d'entraînement quand même. Donc j'ai encore quelques journées avant la Marmotte, donc il faut que je vais tous les jours les 200 km, et alors j'y suis. Merci à toi, Luc. Tu es un guerrier, tu es un ami belge, José Belge, qui aime le vélo. Une petite pensée à la Belgique avec le Tour de France cycliste, bien entendu. Vous êtes gâté en ce moment en Belgique. Bravo, à très bientôt et rendez-vous sur d'autres épreuves du Grand Trophée. À bientôt, Luc. Et merci. Ciao.